Enfin, vous en avez mis du temps. Nous sommes près du cœur de la tempête. Il doit y avoir des fragments de mistanite rouge dans les environs. Servez-vous de votre compteur GGR. Il m'en faut moins 4. Revenez me voir ensuite. En théorie, en les combinant à la mistanite bleue et en les soumettant à certaines fréquences d'ondes radio, ça devrait normalement calmer la tempête. En théorie. Avez-vous des questions? L'explosion a répandu une grande quantité de mistanite au nord d'ici, en pleine forêt. La brume s'y est installée depuis. Une équipe d'intervention d'urgence a été déployée sans savoir à quoi ils avaient affaire. Ils ont été envoyés à leur mort. Des membres des Premières Nations leur sont venus en aide. Je ne m'attends pas à trouver des survivants. Une équipe d'intervention d'urgence semble s'être installée ici, principalement des scientifiques et des médecins. Il n'y a jamais eu d'aussi grande concentration de mistanite à l'air libre. On nageait dans l'inconnu. La HMC a envoyé son équipe de sécurité par précaution. Tous ces gens, avec les effets de la brume, vous pouvez imaginer ce qui s'est passé. Le noyau de la météorite était une composition chimique différente, rougeâtre, avec ses propres propriétés, presque en contradiction avec celle de la mistanite bleue. Lorsqu'on les combine, à dose égale, elles se neutralisent mutuellement. En induisant certaines conditions, cependant, les effets s'alignent comme en symbiose. C'est exactement ce que je veux exploiter. Il me faut au moins 4 fragments de mistanite rouge. Utilisez votre compteur GGR et méfiez-vous de la brume. Bye! The victims took different forms. Those that the mistanite had gnawed. Those to whom the treatments had been fatal. Those that the mercenaries, very eager to clean up the place, had shot. Carl could see before him a genuine scene from the war.
Was there, at the end of the tunnel, that the force that was shaking the world took refuge. The storm that Carl had been trying to navigate for quite some time.
Fort! It had almost cost him dearly, but Carl finally had all four stones in hand. He could start heading towards Jules' camp.
Avez-vous des questions? L'appareil est prêt. Il reste seulement à entrer dans le ventre de la bête. Suivez le chemin de fer. Bonne chance, Carl. Deux balises ont été placées de chaque côté du noyau. J'avais envoyé une équipe après l'explosion, mais ils ne sont jamais revenus. N'oubliez pas, il faut activer les balises avant de grimper la tour radio. Une fois au sommet, installez l'appareil et espérez mieux. La tour radio au nord devrait avoir une portée suffisante pour attaquer directement le noyau. La mystanite réagit aux ondes radio. En combinaison, les mystanites rouges et bleus devraient annuler les effets de la brume, à condition que je trouve la bonne fréquence. Tout ça reste bien entendu hypothétique. Incertain. Vous avez été profondément intoxiqué par la brume. Ça pourrait vous affecter. Peut-être aussi que rien de tout ça fonctionnera. Je ne serais pas surpris que quelqu'un ou quelque chose explose. Statistiquement parlant, bien sûr, c'est possible aussi que ça fonctionne. Dans tous les cas, c'est notre seule chance. Bye! Carl Faubert now had everything he needed to fight. The tools, the resources, and the courage. All he needed now was that little push. The one that pushes us off the cliff and into the icy waters. A little bit of madness. At the heart of it all,
where the storm was drawing its energy and bursting all over Manistan. The imposing, icy structure nevertheless seemed to have come out of a dream. The detective felt that he was once again losing his mind. He had to choose then and there if he was going to be the prey or the predator. Would he be able to stand up to the creature? Most of all, don't stand still. Satisfaction of this first success didn't last. Carl now had to reach the other beacon. He was weary, his muscles ached. The prospect of having to brave the storm again weighed heavily on him. Despite all that, he had to get going.
activate the repulsor at the top of the radio tower to bring all of this to an end.